Salut la team Apprenti Dog, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, mais avant tout, les amis, je tiens à remercier toutes ceux et celles qui s'abonnent chaque jour, on est 338, ça devient énorme. Là, le matériel pour faire du stream, c'est-à-dire en direct et tout ça, je suis en train de voir, je vous tiendrai au courant, ça se fait tout doucement, mais sûrement. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, partagez un max, commentez un maximum, je compte sur vous. Partagez, ça me tient vraiment à cœur. Merci à toutes ceux et celles qui nous rejoignent. Vous faites partie de la famille. Donc, bonne vidéo à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un assez gros loulou, le Bull Mastiff, un chien qui est originaire du Royaume-Uni et dont le Bull Mastiff, sa mâchoire peut atteindre une pression de 450 PSI. Pour ceux que ça intéresse, j'ai converti les valeurs de 450 PSI, c'est-à-dire ce sont des valeurs qui sont anglaises, donc je les ai en cherchant bien. Ça fait exactement, je vous cite, 31,65 kg par centimètre carré dans la mâchoire. C'est-à-dire que, admettons, sur un centimètre carré de la mâchoire, c'est-à-dire environ une molaire du chien, ça équivaut à 31 kg. C'est-à-dire que quand ce chien-là viendra mordre, 31 kg sur votre main. Et il faut savoir que chez la valeur la plus haute enregistrée pour les petits curieux qui chercheraient à savoir, même si c'est pas du tout intéressant, savoir quel chien a la mâchoire la plus puissante. Le pitbull a une mâchoire la plus super, a une pression de mâchoire la plus supérieure de 160 kg par centimètre carré dans la mâchoire. Un chien, le Bull Mastiff, dévoué, loyal, docile, réservé, alerte, très obéissant, fidèle à son maître et plein d'autres qualités innombrables qui font de lui un brave chien, comme tous les petits loulous que je vous cite dans toutes les vidéos. Un chien qui vit entre 8 à 10 ans, on sait très bien que les chiens les plus grands vivent moins longtemps. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai la prochaine vidéo sur l'âge réel de votre chien. Comment savoir l'âge réel de votre chien si ça vous intéresse? Déjà, moi, je peux vous dire que Jump a entre 50 et 60 ans, là, quand il va avoir ses 8 ans. Donc je vous mets l'état et le poids en dessous de la vidéo et tout de suite on fait son histoire. Ce chien fut créé au XXe siècle, donc dans les années 1900, pour lutter contre le braconnage nocturne, c'est-à-dire chasser les animaux, vous voyez, la nuit et tout ça, et des animaux qui actuellement seraient interdits de chasser. Et ce qui est normal puisqu'on massacre des pauvres animaux sans défense qui n'ont rien demandé à personne à part vivre leur vie tranquillement. Donc le Bull Mastiff a été créé pour ça. Enfin, un chien qu'on n'a pas créé comme, on va dire, un outil de mort, c'est-à-dire un chien de combat ou pour les gangs, etc. C'est un chien qui a été croisé avec l'ancien Mastiff et aussi le Bulldog, un ancien Bulldog qui était rapide, vif. Et en vrai, ce qu'on attendait plus particulièrement du Bull Mastiff, c'est qu'il puisse maintenir la personne qu'on voulait qu'il attaque juste à temps qu'on lui donne l'ordre de le lâcher et qu'il le plaque au sol et qu'il maintienne au sol sans juste à temps que les personnes puissent intervenir sur les lieux et lui disent de relâcher la pression pour relâcher l'individu. Et d'ailleurs, ils s'en servent comme garde-chasse. Et il a été utilisé actuellement, il est encore utilisé très peu, mais c'est encore fréquent. Vous pouvez en voir en Angleterre et aux États-Unis. Ce chien-là est utilisé comme chien policier. Et franchement, ils ne s'en plaignent pas. C'est vraiment qu'il est très efficace et très polyvalent. Donc si cette vidéo t'a plu, avec une très belle histoire de ce chien qui, on aurait pu croire qu'il aurait fini en chien de combat, ce qui n'est pas le cas du tout, et c'est ça qui est cool. Donc je t'invite comme d'habitude à liker, à partager un maximum, à commenter un maximum, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour rejoindre la famille, la team Apprenti Dog. Et moi je vous souhaite une agréable soirée, c'était Apprenti Dog.